Yo, salut à tous. Aujourd'hui, on va tester la différence de performance entre l'Apple Watch Series 2 et l'Apple Watch Series 1. C'est donc les mêmes Apple Watch exactement. Anthony ici, Locan ici, ça se remarque au tatouage. Les deux sont sous watchOS 3, Moi, je suis évidemment, bronzé puisqu'il aussi. y a le nouveau cadran. Vous êtes débronzé, mais toi, t'es parti en vacances. Moi, je suis resté ici, je suis aussi Il y bronzé. en a qui bossent. Bon, allez, sérieux. Du coup, on va tester les performances. Donc, vous voyez déjà qu'en termes de luminosité d'écran, c'est pas la même. L'Apple Watch Series 2 est deux fois plus lumineuse que l'Apple Watch Series 1. On va aller dans les applications et on va commencer par lancer. On avait testé tout à l'heure Uber. Notre ami. On va lancer notre ami Uber. 1, 2, 3. C'est un peu plus performant, c'est pas ouf. Ça tourne. C'est réellement les 50%. Ah, Putain, tu l'as eu avant moi. Hop, on va quitter, refaire. Clac. Clac. On retente Uber. 1, 2, 3. Ce qui est marrant, c'est que j'accroche. Ouais, voilà. Clac. là, par contre, toi, tu as récupéré le truc On rapidement. va refaire la belle. Toujours plus. Histoire d'être bien sûr. De toute façon, les gens payent pour ça. Comment ça, les gens Exactement. ne payent pas? 1, 2, 3. Oh my God. Ouais, quand même, il y a un petit écart sympa. C'est pas oufissime, encore une fois, la différence de performance Et entre les puis deux. c'est fou les écarts qu'on a sur trois lancers. Ouais, il n'y en a C'est. aucun qui est raccord. Bon, moi j'aime bien quitter juste pour l'exemple, mais clac. Non mais comme ça on voilà, si on monte d'autres applications, on est en phase. C'est ça, on avait dit après qu'on testerait stock. Stock exchange. Tu es dessus? Ouais. 1, 2, 3. Hop, hop. Et boum. Et ça mouline, boum. On peut en refaire une, histoire deux, mais bon, celle-là, c'était sans équivoque, autant Uber. 1, 2, 3. Ouais, pareil. C'est plus rapide. Est-ce que ça justifie de changer de montre? Peut-être pas, parce que vous pouvez garder vos applications dans le dock, encore une fois. Ouais. Mais clairement, Là, quand même, sur le coup, là. sur pas mal d'applis, c'est assez énorme. Qu'est-ce qu'on a encore en commun qu'on pourrait tester? On a remarqué aussi le côté ici. Dans la partie dock, ouais. Ouais. Dans la partie dock, les décalages. Alors moi, par contre, j'ai les messages dans le dock, donc je ne veux pas passer dessus Ouais. volontairement. Mais toi, Mais si tu peux voilà. montrer, voilà, ce petit lag qu'il y a, clac, clac, quand on scrolle, reviens par ici. Pardon. Ce petit lag qu'il y a quand tu scrolles d'une application à l'autre, là il n'y est plus puisqu'il a tout chargé. Voilà. Mais sur une Series 1, quand on va slider d'une Ils ont dû le application à voir l'autre, ça avant. fait un clac, 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 clac de temps en temps. Alors que sur la Series 2, c'est réellement fluide, c'est très smooth. Voilà pour la partie performance des Apple Watch 1 et 2. Series 0, comme j'aime bien le dire, et Series 2. Série